Salut, c'est Jean-Denis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le tout nouveau Scott Foyle RC30, un nouveau genre de vélomissile. Pour 2023, le vélo a subi plusieurs modifications. Il est plus léger, plus confort, mais surtout plus rapide. Il a été conçu pour gagner les échappées et les sprints tout en restant agréable à piloter. Nous avons donc un cadre et une fourche en carbone HMX, le haut de gamme de chez Scott. L'aérodynamisme et la rigidité ont été améliorés tout en réduisant le poids, ce qui est une prouesse. Ceci grâce à une meilleure superposition des couches de carbone et une réduction du nombre de pièces et joints, en plus d'avoir été largement testé en soufflerie. Le tube de direction est surdimensionné pour une intégration complète des câbles et moins de résistance à l'air. La fourche est plus étirée et les haubans rabaissés pour toujours plus d'aérodynamisme. Côté équipement, on retrouve le nouveau groupe Shimano 105 DI2 avec un passage de vitesse électronique. On a donc un pédalier Shimano 105 en 54-34 vous permettant de monter des cols et d'atteindre des vitesses folles sur le plat. D'autant plus qu'il est couplé à une cassette 105 12 vitesses en 11-34 qui confirme cette polyvalence. Pour la partie freinage hydraulique, on est toujours sur du Shimano 105. A noter que l'étrier de frein est intégré dans le cadre, encore par souci d'aérodynamisme. Tout ceci est bien sûr contrôlé par des manettes Shimano 105. Nouveau gros point sur ce vélo, la tige de selle innovante, une Syncrose Duncan SL Aero. La selle devient mobile pour plus de confort et d'efficacité sur les graviers ou les pavés et elle protège des chocs sur route. La tige de selle existe aussi en version rigide. La selle est une Syncrose Belcara V-Concept. Pour le poste de pilotage, on a un cintre et une potence Syncrose en aluminium. Le cintre Creston est plus fin, plus aéro, avec évidemment une intégration totale des câbles. Et en option, vous pouvez installer le cintre Creston IC-SL Aéro, qui est de toute beauté et capable d'offrir une souplesse adaptive. C'est-à-dire qu'il offre plus de confort avec une charge légère, quand vous avez les mains sur les cocottes, et il devient plus rigide avec les mains en bas, quand vous attaquez. Pour finir, nous avons une paire de roues Syncrose RR 2.0. Mais une belle paire de roues carbone serait une bonne évolution pour faire décoller l'avion. Avec ce montage RC30, le Foyle pèse 8,5 kg pour un prix de 4 799 €. Et moins de 8 kg dans sa meilleure version avec ce cadre. Avec ce nouveau Foyle, fini les compromis. Il est rapide, léger et confort, donc assez polyvalent. En plus d'être beau et épuré. En gros, vous avez tout d'un coup. C'est un peu la Formule 1 du vélo, et d'ailleurs, c'est le plus rapide jamais créé par Scott. Alors, avez-vous envie de pulvériser vos records? J'espère que ça vous a plu les cyclistes. En tout cas, si ça vous a donné envie d'essayer ce vélo, venez nous rendre visite ici, sur place, au magasin Toulouse Bikes, où on se fera un plaisir de vous accueillir. Vous retrouverez tous les vélos présentés en vidéo et beaucoup d'autres, ainsi que tout le matériel pour s'équiper. Laissez-nous des commentaires, des likes, et bien sûr, il y aura d'autres vidéos. Allez, à bientôt, portez-vous bien. C'était Jean-Denis pour Toulouse Bikes.